Bonsoir, cher public. Je m'appelle Mélissa Lavergne et c'est avec grand plaisir que je co-animerai ce soir avec le très sympathique Willy B. Rose cet événement spécial ayant pour titre Les nouveaux visages de l'Afro-Jazz, une production de Nuit d'Afrique en collaboration avec groupe Banque TD. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir et merci, Mélissa. Merci. Avec plaisir. La très charmante Mélissa qui est très, très bien habillée ici. Nous sommes ici au National et c'est un honneur pour nous d'être parmi vous, vous qui êtes à la maison, pour célébrer la 31e édition du Mois de l'Histoire des Noirs en musique. Alors, très, très important, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison, de partager l'événement, de mettre des commentaires, des pouces. N'hésitez surtout pas à être parmi nous dans le show. Hein. Je pense que on peut commencer maintenant. Ils mettent des pouces. Mettez des pouces. On met des pouces. Oui. Ils en mettent. Tout à fait. Tu fais bien de le rappeler, Willy. Surtout qu'il y a plein de monde de partout à l'international qui nous écoute et on est en direct de Montréal. C'est bon de le rappeler. Alors, ce soir, mon cher Willy, on a un programme triple. Donc, trois artistes dont le dénominateur commun, c'est la rencontre du jazz et des rythmes traditionnels propres à leur culture africaine respective, en fait. C'est ce qui les unit tous les trois et ce sont des artistes formidables. Alors, tout un voyage hein, qu'on vous propose en trois parties comme ça. Donc, trois parties, mais en première partie, on a qui? Où est-ce qu'on va? Écoute, on aura la chance d'entendre et de voir la formidable Daimé Arocena. C'est une artiste d'origine afro-cubaine formidable que j'écoute beaucoup à la maison, je dois m'en confesser. Je l'adore. Ce sera suivi par une performance hybride Québec-Guadeloupe de Topium featuring Djembé et Claude Cavoué. Et pour terminer, on accueillera l'artiste Donald Ogbo avec ses invités. Vraiment, c'est à ne pas manquer ça non plus. Alors, mon cher Willy, sans plus tarder, je te laisse nous présenter la première partie de ces trois spectacles. Alors, justement, Mélissa, sans te couper comme ça avant la présentation du show, ouais. J'ai envie qu'on fasse un truc parce qu'on va avoir un voyage culturel comme ça, un voyage musical. Cuba, la Guadeloupe, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'avant la fin du show, tu me promets qu'on va danser? Écoute, moi, j'ai envie de te dire que si les gens écrivent dans les commentaires qu'ils ont envie de te voir danser, moi, je suis partante pour t'accompagner. OK. S'ils mettent des pouces pour qu'ils te voient danser, je pense qu'on va le faire. Parfait. On va aller avec la présentation de la première partie tout de suite avec une artiste internationale à la voix charmante. Elle a mis le feu pendant les 35e anniversaire des productions Nuit d'Afrique en novembre. Elle nous a ramené la chaleur de Cuba avec sa voix charmante et internationale. Mesdames et messieurs, on va redécouvrir tout de suite le très, très beau show au Club Balatou de Daimé Arocena. On y va. Hailo daya opuo, bobo mo tege yo ayaba.
Bonsoir.
Je m'appelle Daimé Arosena. Y no hablo francés. Todo lo que puedo decir. Siempre digo que me es difícil cantar para la gente que habla francés, porque no sé en qué idioma hablar y que me entiendan. Y me gusta que la gente me entienda cuando hablo y cuando canto. Pero voy a intentar una mezcla ahí de cosas, un poquito español, si no me entendieron, un poquito inglés, y más o menos ahí nos vamos empatando todo a ver qué pasa. Ok. So we always start the concerts singing for the orishas to get their blessing. Sí, la bendición de los ancestros y los espíritus y los orishas. So then we can make the concert, right? But I want to share that blessing with you. See? It's not about religion. It's about energy and philosophy of life. Sí, le estamos cantando al mar. We are singing to la mer. ¿Sí? Así es que, súper simple. Súper simple. Alamuance. Yoshikini, Yemayashikini, Asesu Shikini, Shikini, Yemayashikini, Awoyoshikini, Chikini, Shikini, Oluba Shikini, Yemayashikini, Shikini. Chigini, yemayo, chigini, yasesu chigini, chigini alamuanse, chigini, oluba chigini, yemayo, chigini, chigini, chigini. Merci beaucoup. Tirando mis pasillos. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a Balatú por darnos este primer concierto. I don't want to get emotional, but come on, guys. 1.5 years not being here. It's not easy. It's not easy. So I appreciate this concert even more. So, as I said before, we started, empezamos el concierto con los orillas para ganar la bendición y todas esas cosas, y es que ahora podemos tocar. Now we can make the concert. Okay, let's start with cha-cha-cha.
See? I know que no podemos bailar. Okay. Yo sé que no pueden bailar y que no puedo bailar, pero bueno. No, nos vamos moviendo ya. ¿Qué pasa? Ok, vamos a intentar. Cha, 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 ok. Este tema se llama Lo que fue. ¿Sabes cómo es? Cha, 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 punto. El cha, 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 punto. Nunca fue lo que fue, corazón. Solo fue lo que tú me dejaste. Cada beso en ti emana dolor, el dolor que en mi pecho grabaste. Pero al fin se acabó, tu recuerdo murió, la tristeza desapareció. Dale, ahora ya es muy tarde. Dale, yo sé que te negaste. Mientes si me reprochas que me fui y el amor. Fue lo que fue, corazón. Solo fue lo que tú me dejaste. Cada beso en ti emana dolor, el dolor que en mi pecho grabaste. Pero al fin se acabó, tu recuerdo murió, la tristeza desapareció. Dale, ahora ya es muy tarde. Dale, yo sé que te negaste. Mientes y me que me fui y el amor que te di. Pero al fin se acabó, tu recuerdo murió, la tristeza desapareció. Supposed to dance, but anyways. Okay. We say, qué risa me da. Vamos a ver. Qué risa me da. Pero qué risa tú me das. Qué risa. Si nunca fue lo que fue. Ay, no me calle más, qué risa me da, no me compre más chocolate, ni caramelo, ni flores. No espere que te perdone. Ah.
¿Quién dijo que los canadienses no tocan tumbao? Sí. Okay. Let's keep the vibe. The Cuban sexy nice vibe. Okay. I am so in love. Estoy muy enamorada de un género de la música cubana que se llama changüí. Es un género de Guantánamo, así como, es como una joya medio escondida. Y lo difícil de changüí es entender dónde están los acentos, dónde está la clave, dónde bailar. So, people say it's really difficult to dance, not because it's a lot of things to do, no. It's where is the accent and where you dance. And you dance, they said, bailas en un solo ladrillito. Like, you have to. You don't really move that much, but you get to side. Entonces, I want you to feel at least that now that you cannot dance. At least one. ¿Cómo dicen uno, dos, tres en francés? Ok. Un, deux, trois. 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 Second close to you is like a smile. Bendición del cielo de tenerte aquí. Corazón de agua y fuego pa' quemar. Te sieran fant, l'innocence cut you out. Lisez-moi chanter, c'est pas de tip day. Valentin. Moment you gave freedom to my heart. Mon Valentine, mi Valentine, my Valentine. Every second close to you is like a smile. Bendición del cielo de tenerte aquí. Corazón de agua y fuego pa' quemar. The ciudad fan, the innocence cut you out. Laissez-moi chanter, c'est votre petit day. Oye, cabio sileo. Oye, cabio sileo. Oye, cabio sileo. Oye.
Hacer una guajira. Y la guajira es un género muy lindo, muy lindo, muy lindo. Entonces, ¿cómo le dicen guajiros aquí? ¿Aquí hay algún cubano? ¿Cómo se le dice guajiro aquí en francés a la gente? Campesino, campesino. No hay campesino, no hay. Peisón. Peisón. Ok. Bueno, la guajira tiene un enredo con el ritmo porque cambia de compás, que es parecido, pero los acentos son distintos. ¿Sí? O sea, es like. Pam, pa, pam, pa, pam, pam, pam. Maybe tomorrow, tomorrow, tomorrow. Maybe tomorrow I will close my heart. Maybe I will know to be a little stronger. Is the moon, is the sun, is the smile. He said tomorrow, tomorrow, tomorrow. Maybe tomorrow I will stop and fly. Maybe I will know to be a little stronger.
but in this moment I know it's not in my hands. My heart is open, still it is an ocean. My mind is shining, the light is going far. My body's searching for the soul to find it. I just wanna love and feel it giving me my maybe tomorrow, 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 maybe tomorrow I will stop and fly. Maybe I will know to be a little stronger, but in this moment I know it's not in my head. My heart is open, an ocean. My mind is shining, the light is going far. My body's searching for the soul to find it. I just wanna love and feel it giving me my life. I just wanna love and feel it giving me my life. I just wanna love and feel it giving me my life. I just wanna love, I just wanna love. Next song, la próxima canción, is from my latest album, Sonocardiogram. I made a challenge. Hice, ¿cómo se dice challenge? En francés. Defi. Cuando la pandemia empezó, le dije a la gente, háganse un video cantando la canción. Y recibí muchos videos y decidimos hacer un videoclip con los videos de la gente cantando la canción. Esta canción se llama Para el amor cantar. Como si, si quieres encontrar amor, if you want to find love, you gotta sing. ¿Sí? Aunque estés out of tune, no se mata. Pero ponerle corazón. Entonces, vamos a ver cómo sale esta canción. Bye.
no, ustedes no están enamorados. Así ustedes muestran el amor de verdad. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Venga, mi amor. Date. Una muestra de amor. A ver si se inspira. Oye. Ara-la-la-la-la. Está mejor, así me gusta más. De nuevo. Ara-la-la-la-la. That's all I need. Okay. Mesdames et messieurs, on l'applaudit encore très très fort. Plus fort que ça, Dame Aronsana. Encore plus fort que ça, plus fort que ça. On y va, on y va, on y va. On donne de l'amour, on donne de la force. Et on l'applaudit. Alors, pour ceux et celles qui nous rejoignent en ce moment, nous sommes toujours dans l'événement Les Nouveaux Visages de l'Afro-Jazz, présenté par les productions Nuit d'Afrique, en collaboration avec la banque TD. Alors, Mélissa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis-moi tout. Oui, mon cher William, on en est déjà à la deuxième partie de cette folle soirée musicale. On est avec Topium. C'est un duo d'électro-jazz montréalais composé du multi-instrumentiste Jérôme Dupuis-Cloutier et du programmeur-batteur Jonathan Gagné. Ce soir, ils nous présentent leur projet Topium featuring Djembe et Claude Kiavoué, réalisé avec les musiciens guadeloupéens Jacques-Marie Basse et Claude Kiavoué. Jonathan, bonsoir. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous présentez ce soir? Bien, on vous présente le fruit d'une résidence artistique qui a eu lieu en 2019. Donc, on a rencontré Claude et Djembe et c'était vraiment une rencontre pour faire un spectacle en dedans d'environ deux semaines. Puis en faisant ce spectacle-là, on a réalisé qu'on tenterait aussi de faire un album, qu'on allait continuer à distance à cause du contexte. Ouais. Mais on a terminé récemment l'album, environ sur un an et demi, deux ans d'échange et de... C'est ça. Fantastique! Ouais. Alors, tu as mentionné tout à l'heure qu'ils sont programmeurs et batteurs. Est-ce qu'on peut vous appeler des programmateurs? Est-ce qu'on peut... On peut appeler Jonathan un programmateur. Oui, oui, oui. OK, nous avons un programmateur. Ouais. Et tu as parlé de Djembe et Claude tout à l'heure. Mais ce oui. qu'on a envie de faire tout de suite, c'est qu'on a un petit message de Djembe et Claude. Alors, la Guadeloupe va se faire ressentir comme ça en vidéo. Petit message vidéo tout de suite et on revient juste après. On y va. On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas. Mais une fois qu'on avait eu les mains sur les instruments de musique, ben, on s'est compris tout de suite, on s'est entendu tout de suite, n'est-ce pas? Ça s'est bien passé, c'était très bien en compte, artistiquement, humainement. Donc, on a produit un album, 9 sites. Donc, avec toute l'équipe, hein, Nuit d'Afrique, Mousse, c'est quand même nos tambours et nos claviers qui seront sur scène ce soir avec, par la magie du sample. Donc, Kébéfo. OK, mille merci encore. Répétez les mots encore. Habab. L'album Topium featuring Djembe et Claude Kiavoué est disponible sur toutes les plateformes numériques dès le 25 février 2022. Tendez l'oreille, c'est excellent. Et je pense que ce soir, on va avoir la chance d'avoir quelques titres de cet album, n'est-ce pas? On vous fait 7 chansons. Il faut s'imaginer qu'on est dans un club et que, ben, avec nos amis imaginaires Claude et Djembe qui sont en Guadeloupe, qu'on va vous présenter prochainement le spectacle complet.
On a très hâte de voir le spectacle complet, n'est-ce pas, Willy? Mais bien sûr. Attends, moi, j'ai surtout hâte de danser. Tu me connais, hein? Depuis le début, moi, ouais. Ma base, c'est danser et te voir danser. Mais peut-être plus tard. Un peu plus tard, alors. Donc, on y va tout de suite avec Topia.
Écoutez mon jeu guitare, répétez les mots 7 fois, montez plus haut. Tonnez le répondait, mademoiselle m'a dit, roule, bobo, mameli mokaboula. Mameli mokaboula. Mameli mokaboula. Mameli mokaboula. Répétez les mots 7 fois, montez plus haut. Tonnez le répondait, mademoiselle m'a dit, roule, bobo, mameli mokaboula. Mameli mokaboula. Mameli mokaboula. Mameli mokaboula. Thank you.
Allô? On est très chanceux de jouer ici en ce 24 février, la veille du lancement de notre album qui sort demain. On a vraiment hâte que ça sorte parce que ça fait peut-être quoi, 2 ans qu'on attend pour ça, qu'on travaille là-dessus. Puis, on aurait aimé ça que Jambi et Claude, qui font partie du projet, qu'on entend les voix, on aurait vraiment aimé ça qu'ils soient là, mais c'était impossible. Donc, on a fait une version rapetissée avec Marc-André à la basse, qui s'est rajouté pour notre grand bonheur. Puis, on voudrait remercier les 10 Nuits d'Afrique de nous avoir permis la sortie de cet album-là, aussi de pouvoir jouer ici. Merci beaucoup. Puis aussi, on voudrait remercier notre bon vieux collègue Mustapha Terki, qui fait partie autant du projet que nous. Donc, on va continuer avec une pièce, un grand succès guadeloupéen qui s'appelle « Beau bail la main, dis bonsoir ». Donc, bonne soirée.
Et voilà, merci beaucoup. Alors, sans hésitation ni conclusion, on vous souhaite la bienvenue ici dans cet événement spécial, les nouveaux visages de l'Afro-Jazz, présentés par les productions Nuit d'Afrique et en collaboration avec la banque TD. Alors, tout de suite, on continue notre voyage, et c'est la troisième partie de cet événement spécial. Mélissa, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mon cher Willy, écoute, on est en bonne compagnie parce qu'on est avec Donald Ogbo et Lionel Kachingu. Très heureuse de vous avoir avec nous, les garçons. Donald, t'es connu partout à Montréal, un batteur, t'es un percussionniste, t'es aussi un auteur, compositeur, interprète. Et là, vraiment, tu as participé à tellement de projets avec tellement de super artistes de la scène world que non seulement t'es connu ici à Montréal, mais t'es aussi connu et reconnu à l'international. Ce soir, par contre, c'est sur le talent d'auteur-compositeur qu'on veut mettre la lumière ici. Et vraiment, on veut découvrir ton nouveau projet avec l'album Koubli. D'ailleurs, Willy, je pense que tu l'as en main. C'est tellement un bel album. Oui, c'est important de préciser, de montrer en fait cette très, très belle couverture. Parce que là, je pense que sur la couverture, comme ça, on retrouve un voyage, hein, une saveur ouest-africaine. La Côte d'Ivoire est représentée. Et je pense qu'il a bien exprimé dans son album, dans sa musicalité et visuellement aussi, tout ce beau passage, ce beau voyage comme ça. Alors, je ne sais pas si on le regarde, mais c'est important à découvrir, à retrouver sur les plateformes. Ah oui, on vous invite à la maison à vous procurer l'album Koubli de Donald Dogbo. Donald, j'aimerais que tu nous parles de cet album-là, ton premier opus. Ben, en fait, je pense que j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de sortir plein de trucs qui étaient dans ma tête, que je ne pouvais pas imposer dans le projet des autres. Donc, ça m'a donné envie de sortir Koubli. Donc c'est ça pour exprimer et sortir tout ce qu'il y a dans ma tête, mais dans mon projet, comme ça je dérange personne dans son projet, tu vois. on a parlé un peu avant le spectacle, évidemment avant l'entrevue, et tu mettais une emphase particulière sur la notion de polyrythmie. Ouais. C'est quelque chose d'important pour toi, la polyrythmie, dans ton projet. Quelle place ça prend? Ben, je pense que la polyrythmie, pour moi la polyrythmie c'est le voyage, parce que quand tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Sénégal, le Sénégal pour venir au Québec, ça devient de la polyrythmie parce que c'est plusieurs cultures différentes. Ouais. Parce que la polyrythmie, c'est plusieurs rythmes en fait qu'on fusionne. Donc c'est ça, la polyrythmique, c'est mon chemin en fait, c'est ça en gros en fait. On a hâte de le parcourir avec toi, ce chemin, dans quelques instants. Et Lionel Kachingu, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es bassiste, tu es aussi slammer, et ce soir, c'est toi qui commences le spectacle. Comment tu te sens? Je me sens très bien parce que je sais que je le fais dans un cadre qui m'est particulier, c'est-à-dire l'album Koubli de mon frère Donald Dogbo. Donc j'aurai la chance ici de l'introduire, de m'introduire et d'introduire aussi comme une part de notre culture au grand public. Donc je suis très fier et honoré de le faire. Fantastique. Écoute, tu m'as taquiné toute la soirée, Willy, sur mes pas de danse. Je pense que c'est peut-être à ton tour de nous lancer vers cette troisième performance avec un pas de danse. Mais un pas de danse, attends. T'sais, là, c'est important parce que on a ce mélange en fait de deux pays comme ça. Hein. T'sais, quand la Côte d'Ivoire rencontre le Congo, ouais, avec une collaboration comme ça qui est une tout première. Tout ça à Montréal, évidemment. Oui, ça donne envie de bouger le bassin, mais en même temps de descendre. Hein? Donc, okay. Quand tu bouges le bassin et tu descends, je te l'apprends après. Je te l'apprends après. Parfait. Vas-y, on y va avec le show, je te l'apprends après. On les écoute. À tout de suite. Sociale, une culture, notre culture.
notre conception de la vie, du vivant, des vivants. Du Kasaï à Kam, du Mandé à Bois Caïman, de la Louisiane au Bronx en passant par Bay à Montréal. Fondateur Bantou, une seule et unique conscience du rythme qui transcende musique, langue et danse, une philosophie qui règne sur toutes et sur tous, une aventure.
Bonsoir, c'est Donald. Je vous remercie d'être là, ceux qui sont là, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont je ne sais où. Sur ce, nous avons commencé avec Divine, Divine qui est l'intro du show, en même temps qui est l'intro de l'album. Divine qui me rappelle un peu mon passé, c'est ça. Et nous avons enchaîné avec Fofo, Fofo qui veut dire grand frère dans une langue au Bénin, pour ceux qui connaissent le Bénin. Et nous avons enchaîné avec Zion 5, qu'on vient de faire là. Zion 5 qui parle de mon fils, qui s'appelle Zia. Et nous allons continuer sans plus tarder. Je vais remercier Alex Franqueur pour son beau solo. Au sax, à la basse, Carlo Biri. Et Lionel Kachungu, qui était là au début. Fait que nous allons continuer avec Congo. Congo, fait que nous allons continuer avec Congo. Congo qui parle des enfants maltraités. Au Congo, des enfants qui travaillent dans les mines, des enfants qui souffrent de plein de trucs dont les médias sociaux ne parlent pas. Fait que Congo. Thank you.
Merci, c'était Congo. Merci à Nax Bitota. Eli au percu, au Ngoma s'il vous plaît. Tonton Richman au keyboard. Elijah, notre homme de fer. Nous allons continuer avec Koubli. J'espère qu'on a assez de temps pour continuer. Fait que, merci. Nous allons continuer avec Koubli. Koubli qui est le titre phare de mon album, qui veut dire l'aventurier. Fait qu'un gros big up à tous les aventuriers. Et courage à vous, ne lâchez pas. Soyez comme Élie. Koubli. Merci, c'était Koubli.
Je tiens à remercier les productions Nues d'Afrique, TD, toute l'équipe technique, le staff au son, Madiou, à la caméra, Guillaume. J'ai pas venu me tromper, fait que je fais un gros bisou à tout le monde. Et je remercie aussi Ézéchiel. Antoine. Ézéchiel est resté dans ma tête, mais bon. Antoine, gros big up, merci pour le son. Je tiens à remercier un gros max d'applaudissements pour Nax Bitota. À la voix, à la danse, chorégraphie, maquillage. Et au Ngoma, Elie Miller Mabungu, Congo, Québec. Tonton David Richpan, keyboard. Elijah à la guitare. Alex Franke, sax, flûte. Carlo Biri, bass. Merci. Et lui-même, Monsieur Donald Dogbo, a.k.a. Monsieur Koubli. Ça vous fait plaisir. Nous allons continuer avec avec Faraway. Thank you.
Laetitia Zozombe. Donald Dogbo. Koubli. Et nous allons finir avec Nazamba. Nazamba qui veut dire dans la forêt, la chanson des guerriers. We'll be right back.
Merci, c'était Koubli et ses aventuriers. Bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on termine cette très, très belle soirée formidable. Célébration d'Afrojazz, célébration de la 31e édition du mois de l'histoire des Noirs. Alors, c'était un honneur pour nous d'être ici au National et avec vous à la maison. Alors, très important de remercier les artistes que nous avons eus ce soir. Trois parties. En première partie, nous avons eu Daimé Arosena. En deuxième partie, Topium du côté de la Guadeloupe. Et bien sûr, on a vibré. Et en troisième partie, la Côte d'Ivoire avec Donald Dogbo. Alors, on remercie toute l'équipe technique qui est à la maison, tous les partenaires que nous avons eus et bien sûr les productions Nuit d'Afrique qui nous ont supportés et les raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. Tout à fait, Willy. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir interagi aussi sur les réseaux sociaux, que vous soyez à Montréal, ici ou partout à travers le monde. On était heureux de vous savoir parmi nous. Alors, on vous souhaite une belle fin de soirée et on vous dit à très bientôt, enfin en présentiel. Merci encore. Attends, pause. On n'a pas dansé. Mais on a dansé dans les coulisses. Oui, non. Mélissa, là, c'est pour tout le monde. Alors, tout le monde à la maison va se lever. On se lève. On lève sur le canapé. OK? Mélissa, est-ce que tu es prête? Ben, écoute, je te suis. Je vous apprends un pas. Très simple. On a vibré toute la soirée et c'était 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yep. Beatbox. on les retrouve cet été, on les retrouve plus tard. Oui, on vous retrouve cet été, on a hâte de vous voir. À bientôt. À bientôt, bye bye. C'est bon, t'as vu, hein, t'as le rythme, c'est bien, c'est très... Oui, oh, OK. Le mois de l'histoire des Noirs, un moment pour se souvenir, rendre hommage et réfléchir. Nous allons le souligner. Toutefois, nous nous sommes aussi engagés auprès des collectivités et de nos collègues à en faire plus. En plus de parler d'inégalité et d'injustice, il faut agir et mettre de l'avant l'excellence dans nos communautés noires. À la TD, nous appuyons les gens et les occasions qui aident les communautés noires à grandir, à s'inspirer et à s'épanouir davantage. Ce ne sont pas des paroles en l'air, promis.